Good morning, Aleiden, et ce sera aujourd'hui le Lunishmat Yaakov ben Aisha, Avraham ben Israël ben Fanny, François Fagi ben Chana, Janine Ruth, ben Fofir, madame Fritna, et Claude Chambon ben Chalom. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Michel Protecteur 5 minutes éternelles, nous étudions la Sefer Kiddushin, Perek Gimel, Mishna Delet. Rabbi Meir Omer, Kol Tnai She'eno Ketnai, Ben Egado, Ben Reuven, Eno Tnai, Sheneemar, Vayomer Moshe Aleem, Im Yavru, Ben Egado, Ben Reuven, Uchtiv, Vim Lo Yavru, Chalutsim, Vechule. רבי חנינא בן גמליאל אומר, צריך היה לדבר לאומרו, שאלמלא כן, יש במשמע שאפילו ברז קנן לא ינחלו. Je traduis directement, Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir nous enseigne, Kol Tnai, toute condition que l'on pose, She'eno ki Tnai Bnei Gad ou Bnei Reuven, qui n'a pas été exprimé comme ce qu'il est dit dans la paracha des Bnei Gad ou Bnei Reuven. C'est quoi? On va expliquer dans quelques secondes. Eno Tnai, toute Tnai qui n'a pas été explicité comme ce que la Torah le précise pour le Tnaï de Bnei Gad ou Bnei Reuven, eh bien ce n'est pas un bon Tnaï. Chez Néhémar, comme nous dit le verset, va Yomer Moshe Aleem, comme le Moshe leur dit, Im Yavru Bnei Gad ou Bnei Reuven, si les Bnei Gad ou Bnei Reuven, ils passeront le Jourdain, alors on leur donnera toute cette terre de Mever Yarden. Mais si toutefois, Urtiv, ensuite il y a écrit, Im Lo Yavru. Mais s'ils ne passeront pas armés, alors là, ils ne s'arrêteront pas comme on ne leur donnera pas toute cette parcelle. Jusque-là, on a appris la vie de Rabbi Meir, et j'explique un petit peu mieux de quoi ça parle. C'est simple, il y a dans la fin de Paracha, dans la fin de Bamidbar, on est donc dans Parachat, dans la fin de Bamidbar, je ne sais pas si on est dans Pinchas ou Matot Masé. Je pense plutôt au Masé, si je ne me trompe pas, ou Matot plutôt. Et là-bas, concrètement, ce qui se passe, ça se passe comme ça. Il y a les Amisraël, ils ont conquis, il y a la terre d'Israël, ce qu'on appelle Mever Yarden, de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire ils arrivent en Jordanie ou en Syrie, par là-bas, ils vont prendre Israël. Maintenant, il faut savoir que la terre d'Israël, initialement, elle n'implique pas ce qu'on appelle l'autre côté du Jourdain, l'autre côté du Golan et de la Jordanie et de la Syrie. Il n'y avait rien. Ça, c'est la partie qui est à gauche, pas la partie qui est à droite. D'accord? C'est la partie qui est à l'ouest et pas la partie qui est vers qui est à l'est du Jourdain. Juste la rive du Jourdain jusqu'à la mer. Ça, c'est l'Eretz Israël initial. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en avançant, ils ont conquis Eretz Sichon, Vet Ogmer, Elem, Elech Abashan, et ils ont. Israël a acquis des nouvelles terres. Il y a eu les Bnei Gad ou Bnei Reuven, les gens de la tribu de Gad ou de Bnei Reuven, qui sont venus se plaindre et qui ont dit, on a un problème très embêtant, c'est qu'on a énormément de bétail, et les terres là où est-ce qu'on est, c'est une terre super fertile, on voudrait rester habiter ici. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, écoutez, la Torah rallonge longuement sur cette paracha, mais pour notre propos, Moshe Rabbeinu a cautionné il a accepté leur requête. Il leur a juste dit, écoutez-moi, on va poser comme condition, si toutefois vous allez entrer en Eretz Israël avec vos frères pour conquérir tout le pays, et seulement après vous allez repartir là-bas, je vous le donne. Mais si toutefois vous ne fonctionnez pas comme ça, parce que vous allez sans arrêt repartir voir vos femmes et vos enfants, alors dans ce cas-là, j'annule ce don que je vous ai fait de toute cette partie du Golan, en fait, de Negat de Neroven, et vous allez hériter comme tout le reste du pays. Voilà la phrase de Moshe Rabbeinu. Et c'est à propos, d'ailleurs, c'est de cette paracha qu'on apprend plein de halachot des tnaïm. Comment est-ce qu'on pose une condition? Comment il faut formuler une condition? On a plusieurs halachot. La Mishnah, on a trois halachot, essentiellement, qui vont être évoquées. Une explicite dans la Mishnah et deux explicites dans le Barthénois, c'est la Gemara qui les évoque. Ce qui est explicite dans la Mishnah, d'abord, c'est que selon Rabbi Meir, tout tnaï, il faut le prononcer doublement. C'est-à-dire, c'est quoi doublement? Si tu feras, tu auras ça. Si tu ne feras pas, tu n'auras pas ça. Il faut rajouter la réciproque. Si tu fais, tu auras. Donc, et je précise aussi, mais si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Ok? Ça, c'est la première condition qui pose ce que la Mishnah nous dit, que le tenaï de Kob Nega de Menerovet, ça s'appelle l'Irpol et Tatnaï, il faut le doubler. Pourquoi? Parce qu'il faut faire comme. C'est-à-dire, c'est expliqué de plusieurs manières. On va retenir un avis quand même qui est important qui explique ça. C'est expliquer que quand on fait un tnaï, le fait d'annuler une action avec un tnaï, c'est un grand chidouche. En théorie,
T'as fait l'action, t'as fait l'action. Il y a une condition à remplir, remplis-la après. Mais si tu ne vas pas remplir la condition, ça peut être une cause d'annuler complètement la transaction qui a été faite. Le sujet est de me dire que oui, effectivement, quand tu prononces un tnaï, une condition, ça, si tu l'exprimes comme il faut, ça a la capacité aussi d'annuler si toutefois ce n'est pas réalisé comme, comme il se doit. Ok ? C'est la première halakha. Deuxième halakha qu'on apprend là-bas, c'est qu'il faut « hen kodem l'élav, tnaï kodem l'ema ». C'est le lombard tannoir que vous voyez qui nous explique ça. « Hen kodem l'élav », c'est toujours, puisque j'ai dit qu'il faut préciser les deux. Si tu feras, tu auras. Si tu ne feras pas, tu n'auras pas. Il faut que je précise doublement. En disant « hen kodem l'élav », d'abord l'affirmation avant la conclusion. Et « tnaï kodem l'émasé ». Alors je vous ai dit c'est quoi « hen kodem l'élav » C'est que si tu ferais, si tu feras, tu auras. Je te donnerai. Mais si tu ne feras pas, tu n'auras pas. Donc je commence avec le dire l'aspect positif de l'histoire. Deuxième, dernière, troisième condition en fait qui est évoquée aussi, c'est « tnaï kodem l'émasé ». Que tu exprimes la condition avant d'exprimer l'acte que tu fais. C'est-à-dire que pas que tu dis « je vais te donner », si toutefois tu feras. Non, il faut dire, si toutefois tu feras, je te donnerai. Et si tu ne feras pas, d'accord ? Tnaï kodem l'ema assez, tu précises d'abord la condition avant de préciser l'action. Tel est l'avis de Rabbi Meir. Sur ça, on a un avis qui relève partiellement sur ce qu'il dit. Rabbi Hanina ben Gamliel, mais son Rabbi Hanina ben Gamliel, il dit, Haya, tsarich haya d'avoir l'homme. Pas du tout. L'histoire que Moshe Rabbeinu, il a doublé la condition. Je vous explique d'avoir l'idée, c'est très simple. C'est qu'on apprend, on fait une déduction d'un partir d'un verset qui a l'air un peu superflu, qui sert à rien. Donc, du coup, on va dire, écoute, la Torah, elle a un sens rationnel et logique et parfait surtout. S'il y a une phrase que tu ne comprends pas, c'est que tu la comprends mal. D'accord ? Et donc, c'est pour t'apprendre une halakha. Comme ça, ça fonctionne en général. Donc, moi, je lis la paracha Là-bas, il y a écrit que si il y a Israël, si le Bénégal de Menorouette vous allez passer, vous allez recevoir la terre d'Israël. Si vous n'allez pas passer, vous ne recevrez pas cette terre là-bas de Bénégal de Menorouette, vous recevrez comme vous. Tanakama, il va me dire, écoute-moi, ça ne sert à rien, il ne fallait pas le dire. Sur ça, vient Rabbi Hanina ben Gamliel me dit, mais non, bien sûr qu'il fallait le dire cette phrase. Vous savez pourquoi? Parce que regardez, les Bénégal de Menorouette, ils ont dit, nous on veut Eretz Sichon et Eretz Og. On veut les vers là-bas, les terres qui sont là-bas. Moshe Rabbeinu va leur dire, écoutez-moi, si vous allez passer le Jourdain avec vos frères et conquérir Israël, vous aurez ces terres et on vous les donnera. Maintenant, je vais vous poser une question toute seule. Vous répondez tout seul d'abord. Et s'ils ne passent pas le Jourdain, qu'est-ce qu'on fera? On aurait pu croire qu'ils vont tout perdre. D'accord? Alors, en réalité, la Torah elle est explicité qu'ils vont rien. Ils hériteront comme tout le reste du peuple. Un douzième, selon par tribu. Donc, ils recevront sûrement une part de là-bas. Ils auront aussi. D'accord? Mais en tout cas, ils ne recevront pas le tout de la terre. Donc c'est pour ça que la Torah a eu besoin maintenant de me préciser et d'exprimer clairement. Si toutefois vous allez traverser le Jourdain et conquérir la terre, je vous donnerai toute la terre que vous aurez dit, de Benegadon et Reuven, de Sichon et Eretz Og. Et la Torah a eu besoin de me dire, et si vous n'allez pas conquérir fidèlement, alors dans ce cas-là, j'annule la condition. Donc quoi? J'annule le cadeau. Donc quoi? Vous allez devenir comme un autre peuple d'Israël, recevoir une parcelle comme tout le monde dans le pays. Ok? C'est ce qu'il nous dit le Rabbi Hanina ben Gamliel, il est en discussion que sur ce point-là. Que quoi? Il nous dit, Rabbi Hanina ben Gamliel Omer, selon Rabbi Hanina ben Gamliel, Tzarich haya davar l'omro, la phrase, toute la phrase qui a été dite là-bas, bien sûr qu'il fallait la préciser, de dire que comme si et comme ça, que tu donnerais ton nom. Pourquoi? Chez il maleken, parce que si ce n'était pas le cas, que la Torah l'avait précisé, qu'est-ce qui se passe s'ils ne font pas? On aurait fait une grave erreur. Yesh be mashma shafilu bereskenan lo inchalou. On aurait pu croire que même en Eretz Canaan, ils n'allaient pas recevoir. Ils allaient, pour pouvoir obtenir la terre qu'ils réclament, il faut renoncer à leur droit d'Israël, comme ça on aurait pu croire, renoncer à leur droit d'Israël et poser la condition de recevoir l'autre. Et s'ils reçoivent l'autre, même Eretz Canaan ne recevront pas. Or c'est faux. La Torah elle a voulu que si toutefois ils vont pas recevoir, eh bien ils pourront quand même revenir hériter comme tous les autres peuples en Eretz Israël. D'accord? Rabbi Hanina ben Gamliel, le maire aussi, le partenaire, il nous dit qu'il est en discussion que sur ce petit détail. Sur le est-ce qu'il faut le dire à double sens. Mais sur le fait, comme ce qu'on a dit, qu'il fallait en kodem l'élav et tnaï kodem l'élav assez, alors là, il est d'accord sur ça il est d'accord sur ça que c'est des conditions requises à l'intérieur de l'Ebsoukoum. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Sakha comme tout, vous savez.